Let's go, gang! Yes! Bienvenue à tous ce soir, à cette soirée casual, la troisième soirée casual time. Donc maintenant, c'est rendu aux deux semaines. Vraiment fiable, je suis content du jeu qui l'a emporté. Et oui! Herzog! Nice! Fait que Herzog a eu 31 votes sur Mini Ninja. Au début, on s'enlignait plus pour Mini Ninja, mais Herzog a repris le dessus rapidement, même a doublé son nombre de votes. 18 votes pour Mini Ninja quand même, puis Mischief Maker, j'allais dire Mini, à cause de Mini Ninja probablement, Mischief Maker, man, sur N64, ben oui, que j'ai ici évidemment, qu'on va jouer probablement la prochaine fois, puis, ah ouais, le fameux Mini Ninja. Fait qu'ils vont toujours rester dans les votes. 17 votes quand même pour Mischief Maker. Puis là, pour l'instant, ben, Herzog avec ses 31 votes qui l'emporte. Yeah, yeah! Puis, vous pouvez déjà dès maintenant voter pour les prochains jeux. J'ai rajouté, ben, j'ai continué à ajouter Mini Ninja sur Play 3. Mischief Maker encore pour 64. Et j'ai ajouté, cette fois-ci, pour faire changement, un jeu de Super Famicom, Go Hackman 2 sur Super Famicom. Puis un quatrième jeu, parce que normalement j'en mettais trois, mais pourquoi pas un quatrième, Resident Evil, le premier du nom, en long box. La première édition, je jouerai pas la version DualShock, là, vraiment la version old school. Les remakes, là, regarde, on va commencer par jouer à l'original, puis un jour je me taperai les autres versions, voir. Donc, vraiment, graduellement, grâce aux soirées casual, je sais que c'est aux deux semaines, mais je vais graduellement pouvoir terminer beaucoup de jeux dans ma collection en stream, là, que ça fait longtemps que j'ai le goût de terminer. Évidemment, Resident Evil, je les ai tous finis dans le temps, mais non, mais ça fait longtemps. C'est lors de la sortie, ben plus du 2. Moi, j'ai commencé avec le 2, mais bon, on pourrait s'élaborer longtemps. À vous de voter pour le prochain Strapple Gang. Vraiment des bons classiques. J'ai comme un petit doute que vous allez avoir un coup de cœur pour Resident Evil, mais bon, on va voir. J'aimerais ça quand même toucher à Mini Ninja, il va toujours rester dans les votes, peu importe ce qui arrive. Donc, boum, les amis. Ah, moi de mon côté, j'ai plus besoin de ça dans un sens. Parfait. Donc on va débuter ça, ah, puis avant de débuter, c'est vrai, juste faire un petit coup d'œil sur la console. Je me sers actuellement du Turbo Duo, la vraie U-Kart US, dans le fond. Le jeu que j'ai montré tantôt, Herzog, j'ai eu la chance de mettre la main là-dessus comme Play 10 Box. C'est une chance dans le temps. Pour dire, j'avais fait un échange avec des jeux de Sega Genesis, puis j'avais déboursé 20$. C'était quand même 70$ le jeu, là. C'était pas donné. Pas tout le monde qui aurait voulu investir pour un jeu de TurboGrafx-16 ou investir autant. Vous pouvez voter en utilisant le lien qui apparaît aux 12 minutes. J'hésitais entre 10 puis 15. Ouais, avec le lien qu'il a passé dans le chat tantôt. Vous votez, vous cliquez sur le lien, vous allez voter. Fait que, let's go gang! Moi je débute ça. Assez parlé. Pain. Là, il y a un compteur global pour le temps que je vais passer sur le jeu. Je garantis pas que je vais le passer first try. Là, c'est pour ça que il y a un timer pour la run. L'actuel world record dans les niveaux de difficulté, disons, sweet. Pain, pain, pain. Si la musique est bonne, sérieux, dans le jeu. Ça fait changement de la NES. Hein? Yes, make a run nice. Welcome. Yes, Turbo Duo. With Herzog. Awesome tonight. Donc on va jouer à Sweet. Parce que probablement la fois que j'avais voulu le terminer, je l'avais mis à Spicy, puis ça doit pas être évident. Donc imaginez qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont runné. Il y a une personne qui a soumis une run sur speedrun.com à Spicy. Aucune à Bitter, parce que ça doit être vraiment dur. C'est pas parce que c'est un genre de cute map qu'on va l'avoir facile. C'est pour ça qu'on va le mettre à Sweet pour apprendre à découvrir le jeu. Et first, on va souhaiter le terminer. Donc je sais pas si le timer part, j'ai pas checké les rules. Bon, c'est pas nécessairement un speedrun. Donc ce qui est le fun avec la manette de TurboGrafx-16, c'est qu'on n'est pas obligé de s'user. On va voir c'est quoi nos bombes ou quoi que ce soit. Oh, avant, on peut choisir auto ou manuel. Wow, qu'est-ce que c'est ça?
Manuel. Qu'est-ce qu'il y a de manuel là-dedans? Hey, ça, c'est une bonne question. Auto-voir. Hey, il y a Alone aussi. Ok. Ah, ça tire même moins vite. Ah, il est déjà automatique, le jeu. Ah, on dirait que je suis déjà en train de me faire toucher. Ah, moi qui touche... qui me touche de dos, là. Ah, c'est rapide, là. C'est sûr que ça fait longtemps que j'ai joué, là. J'ai aucune mémoire, vu que ça fait plusieurs années que j'y ai joué. Faut que j'apprenne à connaître c'est quoi les upgrades. Puis là, vu que c'est un schmuck, ben... good luck. C'est pas trop... friendly social chat. Pim, pim. Pour choisir son ami. Par le mode manuel. Ok, c'est pour choisir. Ah, là, ça va se faire automatiquement. Là. Alone, ok, ouais, il y a un ami okay, qui peut nous accompagner. C'est pour ça que je vois Alone comme Sonic and Tail, peut-être. Ouais. Je sais pas si ça c'est. Ah ouais, c'est ça, ok, automatique. On pourrait le déclencher quand on veut, ouais. Si on l'aurait mis manuel. Si je l'aurais mis un long, il n'y aurait jamais peut-être de compagnon de. Bon, ça va être plus facile comme ça, je présume. Un long, ça doit être un petit peu plus dur. Il a pas de l'air d'être aussi tannant. Oh. Eh. Ok. Je vois plus rien. Il y a trop d'affaires à l'écran. C'est bon là, c'est boulot. Ok. Je présume que c'était juste un sous-boss, là. Sinon, ça serait trop facile. Il va. Yeah! Non. Ah! C'est sûrement à la fin des niveaux, il me semble. Ok, Mega Berserk! Tabarouette. Ah, au début, ça paraît facile. Moi, j'étais tout confiant. Vous allez voir, ça va sûrement devenir encore plus hardcore. Pour pas que je l'aille terminer, ça veut dire que... ouf. C'est à cause que je l'avais mis à Spicy, là, comme je disais tantôt. Là. Sweet, j'ai l'impression que ça va être... ça devrait être faisable, évidemment. Je verrai pas pourquoi. Si j'ai peur de pogner autre chose, c'est bon, ça. Je connais pas encore c'est quoi les logos ou les upgrades. Ah, quand même bien, ça. On est gros, par contre. On peut se faire probablement toucher facilement, c'est ça le désavantage. On est puissant, mais on est gros à l'écran. Ping. Oh oh. Ça se merde le boss. Alien Time. Ou en tout cas. Car il va être dur à voir un bateau style avec une bulle pour que. C'est une ville dans le fond. Quasiment, là, si on peut dire. C'est pour qu'il respire, on dans l'espace. Ouais. Only. Ok, peut-être qu'à Sweet, ça va passer comme dans du beurre, là. À moins que je me trompe, là. Ouais, ben mon objectif, c'est de terminer le jeu, là. Ah, si je vois que c'est trop facile, ben en tout cas, pour l'instant, faut pas que je dise que ça va être trop facile, parce que à la fin, je me souviens que c'était rough, je me disais, ça va-tu finir? Il me semble que ça commençait déjà à être plus dur que ça, ce niveau-là. Ah, et ça, ils te font perdre, c'est ça la difficulté, nos upgrades. Ce niveau-là, il commençait déjà à être plus tough, là. Si je me souviens bien, la Spicy, c'était pas évident, là. Il y avait du... ouais, les ennemis, c'est ça, sont sûrement plus durs à tuer, à Spicy. J'ai l'impression. Ça doit être ça, là. Là, c'est facile quand même. Il me semble que j'avais vraiment de la misère à prendre le... là, je prends facilement le dessus, là. Ouais, ouais, je pense que c'était ça, la difficulté. Là, j'étais le crime, j'arrive pas à tout tuer, parce que, regardez, si je... il me semble que les bombes fontaines, ils partent en fusée vers nous autres. À un moment donné, ça vient le bordel si on détruit pas tout sur notre route. C'est vraiment le cas de le dire, hein, sur la route. Ah, c'est de valeur que la TurboGrafx-16, là, en Amérique du Nord, elle ait souffert de sa... comment je pourrais dire, de sa mal-distribution, des pochettes qui... vers la fin, ils commençaient à être mieux, les boîtes, à représenter un petit peu plus les jeux en tant que tels. Là. Mettons la boîte d'Erzan qui a look quand même, versus les premières boîtes de TurboGrafx-16, ça a l'air cheap, man. Ça donne pas le goût de... plus ou moins le goût d'acheter du Turbo, là, je vais vous avouer. Là. C'était différent, là.
En plus, ça se vendait en majorité juste au Québec, dans les Radio Shack. Pour ceux qui connaissent ça. J'en ai curieusement pas vu, je pense, dans des Toys R Us quand j'étais jeune. Peut-être au Toyville. Hein. À Québec, il y avait un Toyville avant. Ou en tout cas, peut-être en même temps que Toys R Us. Il me semble qu'il y avait ça. Comme c'est là, j'avais eu Légende d'Ariax. Mais il y avait distribution. Pas distribution consommateur. Eux autres aussi, peut-être qu'il y en avait. C'est sûr qu'il devait avoir une couple de place, mais ça devait être limité. La place où ce qu'il devait en avoir le plus, c'est Radio Shack, puis Compuissante. Pour ceux qui connaissent ça, Compuissante, il y en avait, là, eux autres. Il y avait même du Neo Geo, Compuissante. Eux autres, ils étaient en avance. Ils commandaient tout ce qui était. Ce qui venait de sortir. Ils se tenaient à jour, là. Pour dire que j'avais vu la Neo Geo au Compuissante quand j'étais jeune. Ah, j'ai connu la Neo Geo grâce au Compuissante. Une journée que j'allais acheter Sword of Vermilion. Là, je m'étais. Par chance que je m'ai. Que j'ai pas, comme, insisté pour avoir une Neo Geo, là. Sinon, mes parents m'auraient pas aimé. Mais j'ai comme. J'ai dit, hey, ça m'intéresserait, tu sais. Quand mon père avait demandé le prix, oh là là, tu pognes ton jeu, pis on s'en va du site. C'est l'attitude québécoise, là, typique. Gang de crosseurs, quasiment. Hey, c'était 700$ ou 800$ plus taxes, la console. Au moins, il donnait deux jeux. Il donnait NAM 75 puis Baseball Star puis deux manettes. C'est quand même un bon bundle en Amérique du Nord, le bundle Gold Star. Gold System plutôt. Gold Star, c'est la 3DO. Dope, dope. Bon, ben, crème, on fait ça tout en parlant. Sears en avait aussi. Eh, c'est bon. Je pense jamais avoir acheté de jeux vidéo chez Sears. Il se touche dessus. Ok, faut qu'elle se repense ça. My god. Hey, lack of music. Ok, la OST change tout d'un coup là. On est même pas en CD, ça fait bizarre. Hein? J'ai l'impression quasiment d'un jeu CD. Oh yeah, good dodge. Et que j'ai failli me faire toucher. Ouais, le lecteur CD, ouais, que j'ai. Des souvenirs de l'avoir vu, ça c'est sûr que je l'ai vu à l'époque. Il y avait Fighting Street. Fighting Street. Qui était Street Fighter 1, imaginez. Fighting Street. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça sur TurboGrafx 16 CD en Amérique du Nord. Fighting Street. Ok. Si quelqu'un peut savoir ou me dire la raison, je vais être bien content de l'apprendre. Hey, moi, j'étais un tank, man, ou en tout cas un bulldozer, ou plutôt ouais, un bulldozer du futur. Hein. Si on peut dire. Un mangeux de camion. Non, je l'ai pas, le lecteur CD. Ben, je l'ai par défaut. Je l'ai avec le Turbo Duo. C'est un Turbo Duo US, fait que. Mais la seule affaire, c'est qu'il faudrait qu'il soit arcapeux parce que j'ai pas de son. Là. J'ai plus de son. Il n'avait à m'emmener, il n'avait plus. Là, je pense qu'il n'y en a plus. Ouais, finir à m'amener un jour par sûrement le faire réparer, le faire. Dommage. Non, la musique est excellente. Hein. C'est pour ça que je disais que c'est de valeur que la console elle a souffert. Hey, bonsoir Richie. Bienvenue à toi. Là. Non. Ah, j'ai. Hey, on parle que direct de upgrade. Là. C'est pas bon. Ça a l'air plus tough, celle-là. Ok. Hey, j'ai pas un bouton, moi. Ça, c'est à quoi ça sert? Ok, c'est un angry de je sais pas quoi là. Moi j'utilise pas ça là. Hey, j'utilisais pas l'autre bouton. Pas en tout. Et si bol qu'on voit plus rien. Oh oh oh. Quand c'est du sérieux, hein. Ouf! Ça doit être spicy, ça doit commencer à être intense. Ouf! Ah ouais, c'est vraiment une console. Je jouais avec une manette, par contre, de PC Engine. J'aurais pu sortir ma TurboGrafx 16. J'ai essayé de la brancher, j'en ai une que. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de split. Moi, j'ai trop habitué de speedrunner. Faut pas que je touche au timer. Chut. Yes, thanks pour les GG. Hey, ça avait l'air d'être bad. Je sais pas si je rêve là. Hein, des trilobites. M-
Ben, c'est de valeur parce que c'est une console qui avait du potentiel, la TurboGrafx 16. Nintendo a trop dominé le marché, Sega aussi à cette époque close. Ah, imaginez. Ils ont en U-Cart, là, ils ont même pas sorti 100 jeux en Amérique du Nord. C'est une des consoles qui a le meilleur potentiel avec le moins. La librairie la plus short, là. C'est elle qui a le moins de jeux, dans le fond. Malheureusement. Hey, une balle de baseball qui me suit. Avec une calotte et des lunettes fumées. En tout cas, enjoy, gang, pour tous ceux qui ont voté, les 31 personnes. C'est votre soirée, gang. Ben, autant la mienne que la vôtre. Ok. C'est ça, c'est des ennemis, eux autres. Ah, il m'a touché. Merde. C'est le fun que ça soit automatique par défaut. J'ai même pas besoin de mettre l'automatique. Si je mets l'automatique, c'est plus lent. Je peux pas aller plus vite que ça. Fait que je peux pas mettre l'automatique. Ok. Wow. Ok, je peux pas utiliser, on dirait, ma charge. J'oserais pas, là. Non, je peux pas utiliser ma charge. Ah, c'était accessible une certaine période. Une chance que j'en ai eu une quand j'étais jeune puis je connaissais ça parce que. Si vous m'auriez connu, vous n'auriez eu une TurboGrafx 16. Quand j'en trouvais, là, j'y revendais pratiquement le prix que j'ai payé dans un bundle. Je payais un bundle 40, je gardais les jeux, je gardais certaines affaires, je revendais avec un ou deux jeux, je revendais ça 25$, 30$, genre. Le monde était fou comme de la merde. Ça se vendait rapidement, là. Pour ceux qui connaissaient ça, une preuve, j'en ai chipé plus à Montréal. À Québec, il n'y avait pas beaucoup de monde qui connaissait déjà ça, la TurboGrafx 16, quand t'en mettais sur Kijiji dans le temps. Ouais, mon record, c'est que tellement ça se vendait pas que j'avais peur des ventes, j'avais accumulé 7 consoles en double. C'est pas pour me vanter, mais c'est vraiment juste pour vous dire qu'une période, c'était commun. C'est pour ça que j'ai réussi à faire un petit peu plus que la moitié de la collection des jeux, genre, américains. Localement, en plus, j'ai jamais acheté de jeux en ligne. Ah oui, un ou deux, ouais. Par pur hasard, à un moment donné, j'ai vu quelques petits deals. Ouais, c'est sûr que c'était ça, les prix dans le temps, tu peux pas... Tu sais, si t'arrives... Ben même si sur eBay arrêtait à 40 ou 60$ la console, ben c'est bien mieux. Hein. Parce que tu sais, le roulement, moi à chaque semaine, je réussissais à trouver moindrement un lot ou quelque chose. Là. C'était vraiment de même, j'étais vraiment occupé à cette période-là. J'ai peut-être pas le temps de niaiser dans un sens. Là. C'est que moi je voulais grossir, tu sais, le truc, c'est au moins de récupérer son financement de base. Au pire, si t'en perds un peu, c'est pas grave. Moi, c'est de même que je pensais. Fait qu'au moins, tu peux tout de suite en réacheter après. C'est une drogue, là, les jeux vidéo. Collectionner les jeux vidéo, c'est une drogue. Ok, lui, il a de l'air fâché, là. Hey, il est déjà mort. Quoi? On dirait que j'ai rien fait. J'ai même pas eu le temps de... Il était hot, le Dodge, j'ai réussi ici avec le spray gun. Ah, c'est sûr qu'il y en a un autre. Ok. Ah, non. Hé, hey, là, c'est pas bon, hein. Je vois plus rien. C'est vrai que des fois, on dirait qu'on voit rien. Je catch pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça lâche une bombe quand j'attends en plus. Tabarouette. C'est fou, cette bombe-là. Hé, hey, c'est vraiment dur de dodger ça. Hé! Hey. Ouais, je suis poche. Imaginez, man, aux autres niveaux de difficulté, je vois rien. Avez-vous vu? T'sais, il y a le tourbillon de l'affaire vert. Il y a plus un spray gun. Plus l'ennemi fait ça, il fait ça. Ok, il n'y a aucun lag. Ça, je peux l'admettre, là, ou presque. On ressent pas vraiment. Mais on est gros comme personnage. Peut-être que, ouais, c'est ça, faut que tu aies les bons upgrades dans les bons niveaux. Parce que être petit, ça aurait été probablement mieux. Mais ah, c'est vrai, quand je suis petit, je peux pas faire la grosse charge. C'est ça. Non, c'est ça, quand je suis petit, je peux pas faire ma charge. Oh là, ok. En tout cas, je suis pas mort, on dirait, à date. J'ai 7 vies, mais je veux pas mourir. Hey, wow. Et que c'est... Ok, ça commence à être plus tough, là. Mais le pattern, il est compréhensible, au moins. Il est simple à comprendre. Ah, il y a quelque chose.
Hey, c'est bon, hein? Tout me touche. Faut que je pongue de cours plus vite. Ça, c'est peut-être une bonne idée d'envoyer la bombe. Ouais. Non! Première vie de perdu, fallait que j'en parle. Est-ce qu'ils sont 13? Vous avez vu ce qui est arrivé? Quand même, oubliez que je dodge ça, toi. Hey man, je sens que c'est tough. Ce niveau-là, il m'a fait perdre jusqu'à maintenant une vie. Pas grave. Le but, c'est pas de le faire, il te laisse. Ouais, il te laisse, ça serait vraiment de la folie. Je parle sans mourir. On est vraiment mal parti là. Ok. Ça craint. Sorry. J'ai même pas d'upgrade en plus pour le boss. Hey, c'est quoi tu m'as touché? On dirait que j'ai l'impression de me faire toucher. Je catch pas. Quand on entend crch. Pas le choix d'envoyer des bombes, par chance que ça. Ça rend ça beaucoup plus facile. Sinon, c'est le bordel. Hein? Ça prend un certain temps. Ok, c'est mon réacteur. Je me fais pas toucher. On peut se servir de son réacteur, je pense. Le, en arrière. Là. Quand les ennemis arrivent en, dans, le dos, dans notre dos. Est-ce possible? Je vais essayer de tester. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment perdu jusqu'à maintenant 2 vies. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de m'en reprendre. Là. C'est souvent les shmups. Oh, il y a du courant. Je t'ai tiré vers lui. Ok, il m'aspire. Ah ah. Oh oh oh. Au moins, là, si je me fais toucher, je vais avoir quelque chose en backup, d'après moi. Hey, merci d'avoir été là, Nurubit, man. Salut, Chenard. Bonsoir à toi, man. Ah, oh, mais les shmups, en général, c'est sûr que Desert Strike, c'était beaucoup plus dur d'exécuter les missions dans les temps avec le gaz, puis c'était compliqué. Là. Une preuve, ça m'a pris quoi? 10 heures, le terminer? La semaine passée. Ben non, l'autre semaine. Là, 2 semaines. Ok, on peut tirer, je pense, dans la direction qu'on veut. Wow. Ouais, les shmups, de toute façon, c'est intuitif, là, c'est... Vous avez vu, c'est un rail, c'est sur la même voie, là. Ok, c'est un ami, ça. Même moi, j'étais là à éviter mon ami. Friend, hein, check ça, il est assez weird, mon ami, man. Il y a des spikes, c'est Hellraiser, man. Moi, c'était sur Sega Genesis. Je sais même pas s'ils étaient sortis sur SNES dans le temps, s'ils sont sortis en même temps. Moi, j'étais Sega Genesis, une preuve. Moi, je l'avais loué sur Sega Genesis. What? Ok. Bobo. Hey! A one-shot kill! Ok, c'est ça qui fait que c'est dur. Hein. Hey! On voit rien! Ça a lagué, ouais. Je peux dire qu'il y a trop de stock que ça a lagué. Il va sûrement avoir un autre boss. Ah, il est fâché, là. Ok, quand ça fait couche, c'est mon réacteur, d'après moi. Regardez. Ça a l'air, le réacteur. Une chance, c'est bien pensé. Waouh! On a-tu une troisième phase, tant qu'à faire? Je sais pas, hein. Yeah, yeah. Quand même le fun, hein, sérieux. Non, j'ai pas joué à l'autre version sur SNES. Je l'avais peut-être loué à plus tard. Je devrais l'essayer, c'est sûr qu'elle va être meilleure. Je pense qu'il y a de la musique. Il y en a pas sur Sega Genesis. Non, c'est sûr que le monde va dire que les versions sur SNES vont être meilleures, mais moi, j'avais une Sega Genesis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai vraiment aimé, cette console-là. Nice, la musique, hein? Hey.
Ok. C'est ça, savoir c'est quoi ça? Ça c'était le mini ça. Je connais vraiment pas encore les upgrades. On dirait que j'ai même pas le temps de me concentrer à apprendre. Hein? Coup de boom, ok. Ils m'ont bien eu. Mais... Est-ce que la bombe, elle me sauve, là? Hey! Des Cotman! Est-ce que c'est tough, hein? Je suis juste à sweep. Je sais pas si on fait un continu, puis on continue exactement où on est mort, c'est une bonne question. Hey! Ouais, c'est vraiment crazy, hein? Une chance qu'on peut les... leur faire perdre l'énergie même avec notre réacteur en arrière. Tu vois, il y a des upgrades, moi je change trop souvent. Il y en a qui seraient meilleurs que d'autres, là, c'est sûr. Ah, c'est vrai, là, je peux pas retenir ma charge. Oh, un ami. Hé, hey, checker ça. Un T-Rex dans le background. C'est assez strange, ça. Ok. Un hologramme, un T-Rex en hologramme. Hey, c'est bon, hein? Ok, man. Ah, ça va être pas pire, ça. Peut-être les boomerangs. Ouf! Ok. Aïe, aïe, c'est des méchants, ça. Sûrement, hein? C'est l'un de la gang, ça. Hé, hey, j'ai réussi à passer ça, moi. Ok. Hé, hey, il m'a touché, enfin. Ok. Wow, ça continue? Nice. Le château de Dr. Willy. Good shot. En fond, j'ai actuellement au schmop de la mascotte de la TurboGrafx-16. Ben oui, c'est Herzank. Dans le fond, c'est Bunks. Version futuriste. À moins que je me trompe. Peut-être son cousin éloigné. Ok. C'est bon de retenir sa charge, en tout cas. Oh oh. Je me fonçais dessus. J'ai réussi à le dodger. Eh, c'est bon, là. Il y a du stock pareil, hein. Oh, 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 là. Ok. What? Je peux pas tirer. Ah, je peux tirer des bombes, par contre. Ok, là, je peux tirer tout d'un coup. C'est bizarre, hein? Je peux plus tirer. Pour moi, j'avais pas la bonne arme pour ce secteur-là. Peut-être qu'il tolérait pas l'électricité. Ici. Non! Des fois, je me demande même comment je fais pour tout dodger ça. Yes, une autre vie. Good. Ouf! Merde! Le hit. Quand je me fais toucher, je perds mes upgrades. Ah, comment? Comment tu voulais éviter ça? Il y avait même trop d'affaires et c'est là qu'il aurait fallu que j'envoie ma bombe. De toute façon, elle pop tout seul, la bombe. C'est de valeur, je peux pas la retenir puis lâcher le bouton quand je veux. Sinon, je le ferai. Hé! Il m'a foncé dessus, là! Ok, c'est un bull. Ah, puis il laisse des traces derrière lui. Mortel.
qui me règle dessus. Boum! Ah! On voit plus rien! C'est que c'est tough, il doit y avoir des techniques, c'est ça. Ouais, comme ça. Là, tu la tires dans le bon coin. Wouhou! Il est quand même sûrement easy, ce boss-là. Tu la tires là, là. Je vais faire un continu bientôt, on dirait. Merde! J'ai touché à la plateforme, j'ai perdu une vie, tu sais. C'est la pire façon de chier de perdre une vie. Ah, ils nous font tout faire les boss. Ok. J'espère gagner des vies grâce à ça. Ils sont quand même pas durs, hein? Ben, en tout cas. Les premiers boss. Non, ils m'aiment, ok. Ils m'attirent. C'est bien fait en criff. Die! Ok. Ouais, je peux pas tirer en même temps, non? Je suis obligé de retenir la bombe où tu veux. Ah, il est plus résistant, en tout cas. Puis il m'envoie de quoi? De chien, là. Non, je rate les upgrades. Wouhou! Si, bleu. Ah, c'est vrai, je peux pas. Oh, qu'est-ce qui se cache dans ce sac-là? Eh, c'est vrai, c'est ce boss-là. Ok. Non! Trop vulnérable petit, je pense que c'est... Ok. Zéro vie. Ça sent le continu. Je sais pas hein, ça, quand on va faire un continu, qu'est-ce que ça va donner. Malheureusement. On va peut-être être obligé de tout à refaire les boss. Peut-être pour ça, j'avais pas réussi à le terminer. Si on fait un continu, on continue ce qu'on est. Ça va me laisser des chances. Ah, l'autre partie est chiante. Ok, moi ouais, je pourrais faire ça rapide. Et si boulot. Ah, c'est tough. Hein? Peut-être j'avais changé d'arme. Ah, d'après moi, on va être obligé de tous à retaper les boss. Ah, dead screen. Non! Ah, ça a commencé à être tough. Stage 5 au complet à faire avec tout ce nombre de vies-là. Ouh, c'est pour ça que j'avais pas réussi. C'est bon, hein, on va remettre loin. Hein. D'après moi. Eh! Hein. Et... Ça sera pas de tout repos pareil, hein, d'après moi, de terminer. Étant donné que c'est ça la difficulté. Je l'aime bien cette arme-là. Je sais pas c'est quelle qui sera la meilleure. Ah, comment? C'était mardeux de pas me faire toucher. On va essayer de me concentrer un peu plus. Là. 8 vies, ok. Il me laisse 8 vies. Wow, ok, ok.
c'est ça aussi l'avantage à Sweet. Nice. Moi, j'étais là, je pensais me commencer avec 3 vies. Mais je vais essayer de garder ce focus-là. Ça va probablement aller mieux. Vraiment dans des schmops, là, parlant joie, c'est vraiment pas... vraiment pas évident. On va essayer de garder ce que j'ai. J'ai l'impression que ça, c'est le petit. C'est... Ouais, yeah, en plus, je gagne une autre vie. Good. C'est vrai que là, notre score est à 8-7-2. Vu que le score est 8-7-2, ça va être plus facile de gagner des vies. Parce qu'à un moment donné, les vies, on en gagne de moins en moins. Je pense... Oh, oh, je sais pas si ça, c'est bon. Ça, je teste, là. Ah, c'est bon, ça, c'est fort. C'est lent, mais c'est puissant. Les cartes, on les avait testées tantôt. Good. Ah, c'est vraiment puissant, ça. Regardez ça. Non, je regarde ça. Non, je sais pas, il n'y a pas d'écran qui indique que je le vois pas. La santé ou quoi que ce soit. Je... Good. Good. Nice. Nice and easy. Oh, le château de Willy. On n'a pas perdu de vie, on a 9 vies, on revient à ce qu'on était. Ouais, ça me laisse des chances. Hein? C'est-tu Fulguro au point? Ouais. Presque. Ah, c'est ça qui est plate aussi, qu'on perd nos upgrades en chaque stage. Ça, sinon, ça serait trop facile. C'est ce qu'ils se sont sûrement dit. Ah, la petite balle perdue en plus. Moto, je sais pas c'est quoi qui nous indique qu'on a de l'énergie. Je pensais en avoir. C'est rare, hein? Il va être dur ce stage-là, d'après moi. Ah, ça doit être quand on pogne moindrement un upgrade. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est peut-être fort. En tout cas, ça me protège. Non? Oui pis non. Ok, phew. Ça me prend le plus de vie possible. Ah, cette partie-là était tough, là. Ok, là. Prêt en partant. On a repogné Fulguro au point. Ok. Ouf. C'est intense, hein? Ah, lui, il va me foncer dessus. M'en souvenais, là. Il m'aura pas deux fois. Tiens, toi. Easy, easy. Good boom. Il en reste quoi, deux? À peu près. Peut-être qu'il y a un troisième. Ouh, 9 vies. Good. Let's go. Il m'attire, c'est pour ça. Regardez ça, c'est vraiment puissant. Vous avez vu comment ça a pas été long, man. Wow. Fulguro point certain. Fulguro point for win. Oh non.
Wow! Ça, c'est l'arme, man, sérieux? Sérieux? Eh! Ah. Quand même cool, ça. Ils ont toutes leurs features. Chaque arme, là. À part la bombe finale. Et que ça fait mal, ça. Ce boss-là, là. L'arc me l'a fait perdre. C'est quoi, ce boss-là? Wow, il est mort, que. Mais j'ai perdu mon feu de gros point. C'est ça, tu perds ton arme quand tu te fais toucher. Ou ça prend peut-être 2-3 hits. Aucune idée. Non! Boum! Crache la bombe! C'est pas une bonne idée, hein? Hey, ah ouais! C'est pas faisable éviter ça! Vraiment, il est... ça c'est un boss vraiment en traite, man. Ok. Non. C'est vraiment dépendant de ce que t'as pète la bombe. Hein? Ok, yes, une autre vie. Ouf. Pour ça, je l'avais pas passé. Moi, je me suis dit, ça doit être un niveau de difficulté normal. À l'autre niveau de difficulté, là, c'est sweet. Puis l'autre, c'était quoi? C'était spicy, je pense. Ah non, j'ai pas été pogné une mauvaise arme. Je sais même pas que j'avais réussi à me rendre là, tu sais. Peut-être. Ok. Pacifiste. Mais peut-être que ça me donnera rien aussi. Je sais pas s'il y a de quoi de cacher. Cool. Ça n'a tout un schmop pareil. Les cute et mop, faut pas se fier aux apparences. Ah, tu sais, ça va être mignon, ça va être facile. Bon. Je sais pas si les cartes c'est bon. Là. Oh oh. Hey, les deux en même temps, hein, c'est de la triche. Là. C'est mon réacteur qui est touché. Ah, come on. Deux en même temps, c'est de la triche. C'est de la triche. Cette vie, au moins il m'en redonne une vie. Ouais, ça pourrait être faisable dépendant de... Je sais pas combien qu'il y a de boss. Ah, c'est lui le master! Je pense, je suis pas sûr. Ouais, il va sûrement virer en quelque chose de extrême. Non! Au moins il y a une bombe qui a popé. Ah. C'est peut-être chercheuse ça, là, ces affaires-là. Là. En plus, ça lag quand ça arrive. C'est ça l'affaire la plus dure à dodger, d'après moi.
du jeu là. Le même truc que la plante! Ça, c'est ça, ça lag. C'est surprenant, hein? C'est ça qui fait que c'est dur à dodger. Ok, c'était quand même facile, mais faut pas là, se laisser impressionner. Wow, toi là. Ok. Ouf. Jamais, je me suis jamais rendu là. Non, non. Lee, c'est quoi ça? Comment tu veux éviter ça? Ah, lui a toutes les armes. Ok. Ah, come on. C'est par chance, j'ai une tonne de vie. C'est top à mort. Par chance, j'ai fait péter une bombe. Par chance que cette bombe-là, hein. C'est vraiment fort win. Ah, en plus, c'est une tête chercheuse qui te suit. Il flash au moins. Ah, même pas le temps de recharger la bombe. C'est pas bon. Aïe aïe, man, sérieux, please. Oh, oh, ça c'était bon. Ah, good, la bombe au moins. Ah, oui, please. C'est extrême. Non, encore la bombe au moins. Please. Ah, je suis stressé. Non. Juste non. Ah, tête chercheuse qui ont eu raison, please, qu'il y a une zéro vie. Ah, ils vont tous me refaire fuck! Mais non, mais non. Ah, man. Ils veulent m'épuiser, là. Ok, là, on sait plus à quoi s'attendre avec le boss de la fin. Ouh. C'est hardcore. Aïe, aïe, aïe. Dope, dope. Bon, probablement next time. Marqué de toute façon des continues, il y a de l'air en or à l'infini. Il doit pas avoir une deuxième part. Hey, je suis sûr que j'étais proche de l'avoir terminé le bassin. Il devait pas manquer grand chose. Ah ouais, please. Oh yeah, friend. Good friend. Bam, 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 bam. Boom. Ça torche même comme jeu, pareil. C'est un bon challenge. Hein? T'en avais pour ton argent, pareil, parce qu'ils te refont pas commencer, justement, au château. Ils te font tout le temps recommencer un stage à l'avance. Tantôt, je prenais trop d'upgrades, je les essayais toutes dans le fond. Mais là, je commence à avoir compris lesquelles prendre en général. Là. Ils les donnent pas toutes par niveau par contre. Faut que tu fasses avec certains qu'il y a. Comme là, je... à le point. Ouais.
Fulgur au point. Good boom. Ah, il est vraiment le fun, là. Je suis sûr meilleur, j'en ferai une run du début. J'oserais pas vraiment la faire tout de suite à Spicy un jour. Wow. Easy, easy. Mais on a du fun à sweep. Imaginez, c'est comme un niveau de difficulté easy. Puis, c'est pas si easy que ça, finalement. Mais enjoy, gang. Vraiment cool. Hein. Erzank avec son Mohawk en éclair. J'allais dire en électricité. Good. J'arriverai à ce point-là avec quand on va avoir les deux à rebattre. Là. Ça serait easy. Ok, j'avais jamais remarqué que le chef il était assis dans le fond dans son vaisseau. À cause qu'on voyait toujours les autres autour de lui. Bon ben, let's go. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, les amis. Bon, moi je sais comment que le boss de la fin il utilise dans le fond toutes les armes du jeu, les cartes, les missiles à tête chercheuse. Genre pas mal d'upgrades qu'on voit là. Là c'est plate, ils m'ont fait perdre mon point. C'est plus dur à recommencer. Les petites balles, des fois on les voit mal, il y a trop de stock, il y a mes balles, plus beaucoup d'ennemis à l'écran. Mais ça se fait, les explosions en plus nous cachent un peu la vue. T'sais. Mais je me suis bien amélioré. Hein. Je pense avoir un meilleur visuel de ce qu'il faut faire. Ah, pas cette arme-là. Ben, ça me protège dans un sens, mais pas fort. Moi, j'ai un bien meilleur visuel là, que j'avais tantôt. Faut savoir c'est lesquels les ennemis, là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de stock à l'écran, comme si vous l'avez pas remarqué. C'est assez intense. Mm-hmm. Là, je vais avoir l'occasion de repogner le point. Hein. Alors, pas que je passe à côté. Pff, snipe! Le petit lézard qui m'a snipé de dos. Hein. Wow. Ah, peut-être que dans le fond, il était caché. Ouais. Je pense qu'il était... Ah, il est là. Fiable. Là, on a la baisse arme. Ok, là c'est lui qui nous fonce dessus. Mais qu'il soit deux, hein, si on s'en rebat contre eux autres, c'est là que c'est tough. Ah non, j'ai pas envoyé la bonne affaire. Ah, il y a Easy. Easy, easy. Putain, toi le boss. Bon, boss match, refight all the boss. Ça me j'avais pas besoin de bombe, il était facile. Il faut pas que je pogne ça par contre. Good. Nice and easy. Ok, first. Au moins, ceux qui sont en une part sont pas si pires, mais c'est quand ils sont en deux parts, là. Comme lui, t'es en deux parts. Mais il était pas si pire, me semble. Easy, easy. Le point, même. Cette part-là, par contre, je l'aime moins.
Oh yeah. Tantôt j'avais perdu mon point ici, je pense. Good. Oh, avec les lags, hein, j'ai perdu mon arme à cause de ça. Va probablement crever à ce boss-là. À moins que là, je sais un petit peu plus à quoi m'en tenir. Oh yeah. J'aurais pas le choix de prendre une arme, là. Je n'ai plus. Avoir gardé les points, imaginez, pour les deux boss qui s'en viennent, là, je les aurais battus rapidement. Ah non, c'est vrai, il reste lui. M'a fait perdre mon arme. J'ai... Oh yeah, bon timing ça. La bombe dessus. Un autre pas pire timing. Good. Ouh, au moins que je garde mes vies pour la fin. Plus que j'ai de vie, mieux que ça. Parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Peut-être une troisième part au boss de la fin. Donc, quelle arme qui serait le best? Aucune idée. Ah. Pas vraiment d'arme, hein. Ah, comment? Hey, qu'est-ce que c'est ça? Ah, dope. Ok, non, on va essayer de se tenir tranquille. Les ennemis sont désagréables. C'est de pas détruire les bulles, déranger les ennemis pour rien. Parce que sinon, je risque de perdre une vie, tu sais. Là, j'ai plus d'upgrades, pour ça va aller mal. Quand même facile, là. Une bonne idée, ça, qu'ils ont eu. Pas fort, pareil, je pense, le boomerang. Hein. C'est correct, c'est une arme moyenne. C'est mieux que pas avoir d'arme. Au moins, quand on a une arme, je pense qu'on est... On crève pas tout de suite. Ça, c'est petit, genre. Ça me tente pas d'être petit. Après, ça va bien quand même, des fois, là. Ouais, pour le boss qui s'en vient, ce sera pas l'arme idéale. Avoir gardé le point, ça aurait été le best. Hey, salut Steve! Le point est là. Oh oh. Oh yeah, tantôt, je l'avais pas vu. Ah, je me suis fait toucher. Non, sinon c'est le réacteur à garder, j'ai le point. Il faut que je fasse attention, eux autres, là. Ah ouais, crache la pelule. Hey, il y en a quasiment un de mort. Ah non, la bombe allait pas peu. En plus d'avoir perdu mon point. Mais non, non, deux vies perdues. Elles sont vraiment désagréables, eux autres. Il n'y a pas un qui peut crever, s'il vous plaît. Oh, ok. Oh, il y en a un au moins. Donne une vie. Hey, ça va être borderline avec le boss. C'est de valeur, j'avais pas gardé le point. Hey, ils sont tough ces deux-là ensemble. Imaginez aux autres niveaux de difficulté. Ah, c'est vrai, il y a lui en plus. Mais non. Mais non. Ah non. Please. Pas le bon timing avec la bombe. Ouais. D'aller l'envoyer proche de lui. Phew. 7 vies. Aïe aïe. Ouais, merci pour les good luck. C'est la... Jamais 203. C'est la troisième fois que je me reprends avec le boss. Là. Ok, il se sauve. Ouh, jamais 203. Mais ça, non, c'est la deuxième fois que je me rends là. Mais c'est la troisième fois que j'essaie de passer ce niveau-là. La première fois, j'avais pas réussi à me rendre. Ok! Merde. Là, il est en phase infaisable, touchage. Man, c'est quoi ça, ce mélange de chenoute-là? Ah, tu te me faire perdre mes vies avant même qu'il se soit métamorphosé. Ça va être dur. Très dur.
Ok. C'est déconcentrant, le truc vert qui arrive sur nous autres. Je sais pas c'est quoi, là. Pour moi, je sais plus à quoi m'en tenir, là. Il y a juste ça qui est vraiment traître. Ça, c'est très bon, la bombe que je viens d'envoyer, là. Non, ça, c'est un dodgeable. Ça, c'est une bonne bombe. Une bonne bombe encore, pas pire. Et... Non, hein, c'est être chercheuse de même, ça. Ok, ok, ok. Tabarnak. Crache la pelule! Calice. Non, ben long. Ça va pas me faire avoir. Ça sent le pétrin, hein. Allez, c'est une bombe à tête chercheuse. J'ai réussi à les éviter. C'est un miracle. Oh yeah, ça c'est une bonne bombe. Là, je vois plus rien. Oh. Il y a peut-être un... Attends, il a tiré un dernier projectile. Tu sais, il m'en redonne 9 vies, là. What? Tellement que ça a donné de points, même. Tu sais, c'est... Donnez-moi en plus de vie avant ça, tu sais. Bon, mais je pense qu'on a éclairé le jeu. Je sais pas. On va voir. Il y a peut-être une petite surprise cachée à l'intérieur. Car, c'est le Technodrome. Ça. Teenage Mutant Ninja Turtle. Hey, c'est vraiment le look du Technodrome, ça. À moins que je me trompe entre les G.I. Joe. Waouh, c'était quoi ça, un gros missile finalement? Whatever. Nice. Content d'avoir terminé finalement ce challenge de Crazy. Ah, il est solide le boss de la fin, pareil. Hein? Il utilise toutes les armes dans le fond du jeu. Puisque j'ai eu le plus de difficultés à dodger, c'est ce qui arrive très rapidement. Dans le fond, faut pas être proche de lui à ce moment-là. Puis les missiles à tête chercheuse, une fois que tu les as évités, c'est quand même pas si pire. Faut juste que, dans le fond, tu réussisses à faire le tour, puis notre réacteur en arrière réussit à s'en charger, dans le fond. Bon, ben gang. Boom! En moins d'une heure. J'avais déjà joué, par contre. Mais imaginez, malgré que j'avais déjà joué, ça a pas été évident. Hey, il est encore en vie. Sauf qu'il est triste. Il n'a pas réussi ses plans maléfiques. Erzan qui était là. Ah! On a mis une bombe cachée. Probablement qui est... C'est la cerise sur... C'est le gâteau. Boom. Oh oh. Ah, mais sauf quand même. Il voulait peut-être prévoir une suite. Les boss sont souvent intouchables, comme style Dr. Willy ou... Ça faisait un peu penser à ça quand on s'est rendu au dernier niveau, là. Quand on a franchi le château. Oh! I'm be back! Oh! Il va être de retour dans le mode spicy. Dans l'autre mode de difficulté que j'ai... Je me souviens plus c'était quoi. Hey, good, merci pour les GG, Psy, man. Steve Dormy. BE6. Jax, man. Sergent Inc. Nemesis, man. Merci, gang. Ça a fait plaisir. C'était pas la soirée casual la plus longue, là. Mais ça prend des jeux des fois un peu plus short, là. La semaine passée, man, j'ai passé 10 heures sur Desert Strike. Alors, si on peut, ce soir, un peu plus la couler douce. C'est un jeu que ça faisait longtemps que je voulais terminer dans ma collection, que je m'étais rendu au dernier boss. Je pense vraiment, je m'étais rendu aux 8 matchs des deux qui nous foncent dessus, de quoi de genre. Mais je l'avais mis au mode spicy, c'est pour ça que c'était tough, là. Les boss sont probablement plus longs à tuer dans ce temps-là. J'avais pas utilisé ben le point, là. Mais une fois qu'on sait comment dodger les ennemis, puis c'est quoi leurs armes, là, ils ont chacun un piège. Chaque ennemi, dans le fond... l'arme que je trouve la plus chiante, c'est soit ce qui nous suit ou les missiles à tête chercheuse. Ou ce qui lançait rapidement tantôt, là. Des fois, on se laissait surprendre. Il y avait un facteur random. Des fois, c'était placé différemment. Fait que fallait être chanceux un peu avec les RNG. Ah, c'est vraiment un excellent jeu, sérieux. Awesome. On est style Astro, le petit robot. C'est un peu basé là-dessus.
Hey, merci à toi, Nemesis, d'avoir été là. Là. Hey, bonne soirée. Là. Vraiment, vraiment fort apprécié, appréciable même, je dirais, ce Q-Team Up. Spécial Tanks. Purement japonais. Hein. C'est le fun, pareil, qu'à l'époque, il y avait quand même d'autres compagnies qui produisaient des jeux exceptionnels, comme là. C'est sûr, c'est Ubisoft, si je me trompe pas, qui est derrière ça. Ben là, PC Engine ou la TurboGrafx-16, c'est la console de Ubisoft. Avec la corporelle. Probablement le développement aussi ou l'aide de Red. J'ai déjà entendu parler de Red. Ça me dit quelque chose. Nice jeu, man, sérieux. À suggérer. Mais je vous suggérerais plus sur émulateur, étant donné que les probabilités de mettre la main là-dessus à bon prix de nos jours, malheureusement. Moi, que vous soyez prêt à investir. Sinon, gênez-vous pas de le faire. Ça reste... si vous avez une passion pour les jeux vidéo, ça reste... un incontournable, je dirais, ce R-Zonk. Nice. Non, c'est une console que se rapproche beaucoup de la Super Nintendo et la Sega Genesis. C'est un... du pré-16 bits. C'est pas tout à fait une console 16 bits, supposément. T'sais. Même si c'est TurboGrafx-16. Là. C'est eux, les couleurs, la musique en général. Sauf les effets sonores qui sont limités. Il y a une limitation, veut pas, c'est sûr, versus d'autres consoles. Mais il y a une évolution majeure versus les consoles de son époque. Elle est en avance. C'est la première console qui avait la possibilité d'acheter une expansion CD. Première console aussi qui avait un truc CD. T'sais. Si je me trompe pas, il y avait peut-être quelque chose d'autre d'avant, d'un peu plus obscur. Mais qui était pas aussi... qui a pas pogné autant. Au Japon, là, la PS Engine... qui est la TurboGrafx-16 pour nous en Amérique, là, a pogné vraiment beaucoup plus. Là. Là-bas, tellement que ça a pogné, là, ils en ont sorti plusieurs. La console, c'est la console qui a pratiquement le plus de variances, curieusement. Ah, ils en ont fait beaucoup des bebelles. C'est beaucoup gadget, le TurboGrafx-16, mais c'est cute, puis c'est de qualité, je trouve. Très belle console. Ça me surprend que Capcom n'ait pas fait leur propre console, si Ubisoft l'ont fait. Là. Ouais, facile faire le jeu. Ouais, j'ai quand même rushé un peu à la fin. J'étais là, tu sais, j'ai lâché quelques petits calls de stress, là. J'étais là, je me tiens plus. C'était intense, pareil, là. Le boss de la fin, je vais vous avouer qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai vraiment eu peur, là, lors de ma dernière partie de mourir. J'étais là, non! Il y a des moments tendus, c'est sûr. Merci, Chenard, pour le support. Merci pour les GG en passant. Matt aussi. Merci tout le monde, en tout cas. Merci pour votre suggestion, là. Ça a fait plaisir de, encore une fois, passer une soirée casual sur un jeu que, comme je le disais, que j'appréciais ou que j'apprécie. Les jeux que je vous laisse le choix de choisir, c'est des jeux, bien sûr, que je vais sûrement avoir. C'est des jeux que je recherche de faire. Je ne mettrai pas un jeu de sport. Là, que, des jeux que, en tout cas, quand on stream, ça va être c'est plus motivant de le faire, là, vraiment plus motivant. Et qu'en même temps, ça vous permet de voir un jeu d'accompli. Lors d'un stream, c'est cool. Nice. Donc, prochaine soirée casual d'ici 2 semaines. À vous de voter. Vous avez probablement déjà commencé à le faire. Donc, merci. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être le prochain choix. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Yes! Peace!